Jean-Jacques Ferrard n'est pas encore officiellement candidat, mais il consulte pour briguer la présidence de la Fédération Les Républicains de la Corse du Sud. La fonction est occupée par Marcel Franchichi, dont le député conteste le mandat. Ces gens qui m'ont épaulé, qui m'ont permis d'obtenir ce succès électoral, le dernier succès électoral de notre famille politique, non seulement en Corse du Sud, mais aussi en Corse, eh bien, ils souhaitent que je reprenne cette Fédération de Corse du Sud, qui est en sommeil depuis 2 ans, et qui a besoin à nouveau d'adhérents qui a besoin de se mettre au travail, d'envisager un projet. En Haute-Corse, François-Xavier Tchekoli pourrait être élu président de la fédération. Stéphanie Grimaldi n'étant pas candidate à sa succession, le maire de La Pourte l'a déclaré hier dans le Courtzigazir. Je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde que la direction nationale de notre parti, que ce soit au plan national, puisque je suis plutôt une gaulliste sociale et qu'aujourd'hui la ligne politique que défend Laurent Wauquiez ne me correspond pas, et également par rapport au plan local. Actuellement, la conseillère territoriale réfléchit au municipal de Bastia. C'est une décision qui, pour moi, impliquerait de quitter mon village de La Pourte, où je suis maire depuis 17 ans et demi, pour lequel j'ai un attachement très fort à ma commune et à mes administrés, mais j'y pense. Vous prendrez la décision quand ? À quel moment ? Est-ce que vous déciderez d'y aller ou pas ? Je pense en fin d'année. D'ici là, les instances de LR auront été renouvelées. François-Xavier Tchekoli et Marcel Franchichi sont favorables à la création d'une fédération régionale dans le but de créer l'alternative face aux nationalistes.